ans, vous venez de passer une demi-saison à Újpest et vous entrez déjà dans l'histoire du club en tant que vainqueur de la Coupe d'Hongrie. Comment se sont passés ces premiers mois? Comment est-ce que vous vous sentez en Hongrie? Et si on vous posait la question, est-ce que vous recommanderiez à d'autres joueurs de signer à Újpest? Bah, à côté, moi je suis arrivé ici, tout s'est peut-être très bien passé. J'ai pris vite mes marques. Puis bon, comme je vous ai dit, il y avait des petits problèmes par rapport au paiement et tout ça. Bon, ça s'est vite arrangé. Et puis voilà, mais juste. En championnat, on n'était pas trop présent, mais bon, on a réussi à marquer le coup avec la Coupe justement. Je pense qu'on a quand même fini sur un bon point. Maintenant, je pense que pour d'autres joueurs, c'est un bon club pour se relancer, je veux dire, et pour pouvoir encore atteindre un niveau supérieur. Et personnellement, comment est-ce que tu t'es acclimaté à la Hongrie? Est-ce que ça a été facile? Comment est-ce que tu te sens dans le pays? Franchement, ça a été super facile, je veux dire, c'est un peu comme Bruxelles, à part la langue qui change, je veux dire, il y a la ville à côté, c'est un peu comme chez moi, donc franchement ça a été très simple. Maintenant, il y a juste un peu le langage qui est un peu difficile pour moi, parce que mon anglais n'est pas terrible non plus, donc voilà. Mais bon, je m'adapte, ça va de mieux en mieux, de toute façon, je commence à vraiment à me plaire. Donc. On se dirige vers un été assez intéressant, avec beaucoup d'arrivées et de départs parmi les joueurs, mais aussi un stage de préparation dans votre pays d'origine, et la participation à la FIFA Stadium Cup à Saint-Trond. Quel est le programme de l'équipe pour les prochaines semaines? Bah écoutez, je pense que ça va être le même que cette semaine. Le coach a déjà parlé de faire les mêmes entraînements tous les jours, mais avec certainement un peu plus d'intensité, pour être prêt déjà pour donc, le stage en Belgique, et pour aussi le match contre Dordrecht de la Supercoupe. Et justement, comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de jouer en Belgique, mais au sein d'une équipe étrangère? Bah écoutez, j'en sais rien, c'est la première fois que ça va m'arriver, donc à mon avis, ça va sûrement me faire bizarre. Mais... Avec tous les amis, la famille qui seront présents. Ouais, voilà, mais bon, maintenant en Belgique, je connais aussi la plupart des joueurs dans les autres équipes, donc dire que je sois dans un club ou un autre, je pense que ça sera pareil. Hier, la Belgique a gagné son premier match de Coupe du Monde contre l'Algérie. Quelles sont vos attentes pour cette équipe nationale dans la compétition? Déjà qu'il aille le plus loin possible et que... Bon, déjà qu'il passe, on va dire, la poule. Et puis j'espère qu'il se retrouvera en demi-finale aussi contre le Brésil. Vous les suivez de près pendant la Coupe du Monde? Ouais. J'ai regardé hier. Bon, j'avais un peu peur au début parce que... Ce qui aurait été pas en notre faveur, mais je les suis et puis j'attends le prochain match. Justement, quel est votre joueur préféré dans cette équipe? Mon joueur préféré, et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est complémentaire, je veux dire, il a tout pour lui. Je crois que c'est un des piliers aussi de l'équipe. Et voilà.